histoire de Loulou Lapierre, une petite mère bien ordinaire qui travaille à temps partiel comme femme de chambre dans un hôtel. Elle endure dans son petit deuxième la vie triste d'un HLM et des matinées toujours blêmes. Elle a pas 25 ans et déjà trois enfants de deux pères différents. Ils se sont évanouis dans l'air en la laissant en misère sans pension alimentaire. Joyeux calvaire sous un silence stupo entre les caisses de bière et les bébés des flots. Joyeux calvaire pour Loulou Lapierre qui aime autant se dire qu'au fond ta vie est pas si pire. À côté avec un couplot, un pauvre type toujours pacté qui joue aux jeux vidéo, n'entendant rien de ses journées. Puis dans toutes ses après-midi, puis le soir il sort avec ses amis pour faire la rumba toute la nuit. Il déteste les enfants, d'ailleurs il les engueule tout le temps, puis il pète les plombs tout bout de champ. Mais quand il parle de l'arquer, il se met à la supplier comme une inapte sans fierté. Joyeux calvaire sous un silence du coup, entre les caisses de bière et les bébelles des flots. Joyeux calvaire pour Loulou Lapierre qui aime autant se dire qu'au fond la vie est pas si pire. Sa vie remplie de nuages, elle vient chez nous se boire une tisane loin du tapage et de la chicane. On rit, on jase de nos problèmes, on chiale un peu contre le système qui favorise toujours les mêmes. En se disant qu'un matin, étant donné qu'on s'aime bien, on devrait partir au loin. Et dans un éclat de rire, elle finit toujours par me dire que ça pourrait pas être pire. Joyeux calvaire